Once brought as a gift to Provence by popes visiting from Italy, this fruit has grown to become a favorite summer delicacy of French cuisine. The melon. In Vaucluse in the south of France, they've been growing melons since as far back as the 14th century, and they're still finding new ways of serving them up, including as a tartare or baked with a seafood filling. Another quintessential regional dish is Provençal vegetable soup with pesto. Laetitia Maréchal works in a hospital. At home in her kitchen, she loves to experiment. Je cuisine à l'instinct, donc j'improvise à 98% du temps. Je regarde dans mon frigo, je prends les produits de saison et je cuisine en fonction du goût du jour, de nos envies. Laetitia's husband David grows melons, a member of the gourd family of plants. Le melon est une passion depuis notre naissance. Nos parents le cultivaient, nos grands-parents le cultivaient, et on peut dire qu'elle est tombée dans la marmite quand on était tout jeune. On his fields in Vaucluse, the harvest begins in early July. David Biscara and his family farm a total of 150 hectares, which calls for many helping hands. While other farmers grow their melons in greenhouses, the Biscaras keep to the open air. Le début de la saison est toujours une période très excitante pour nous et on a hâte de commencer. On est sur un métier qui est aux quatre vents. C'est une culture qui est en plein champ, donc autrement dit, on n'a aucune protection vis-à-vis du climat. Il peut arriver des catastrophes climatiques, trop de chaleur, trop de froid, du gel, de la grêle, et il arrive régulièrement qu'on perde une partie de la production, qu'il y ait certaines parcelles qui soient complètement intravaillables. The year has gotten off to a good start. The growers are confident of a good harvest. Très souvent, les consommateurs utilisent le critère olfactif. Ils sentent le melon. C'est malheureusement une très mauvaise habitude, parce qu'un melon qui sent trop, c'est un melon qui est en surmaturité et qui ne sera pas forcément goûteux. David's brother Gilles is in charge of the fields. Un des critères aussi déterminants, c'est le pédoncule qui cerne. Donc là, ça, c'est le pédoncule qui est en train de cerner, se décroche. Voilà, donc ça, c'est un signe de maturité. Alors que celui-là est complètement immature, il va être mûr dans 4-5 jours, et là on voit complètement la différence. On est obligé de passer chaque jour au sein de la même parcelle de melons afin de pouvoir récolter les melons qui sont à leur pic de maturité. Ce qui est quand même une difficulté, parce que ça, sur une même parcelle de melons, on peut y passer jusqu'à 20 fois. Contrairement à d'autres cultures comme la pomme, sur lequel lorsque l'arbre est mûr, l'ensemble des pommes sont mûres, et on les récolte en une seule fois, ce qui fait 20 fois plus de travail. Laetitia is preparing the evening meal. Le melon peut se décliner en plusieurs saveurs. Vous pouvez le manger cuit, cru, mariné, en dessert, glacé. Et là, ce soir, justement, nous allons faire une recette pour toute la famille. Du coup, on va faire une petite compotée, une petite confiture de melon avec une déclinaison de crustacés. Ça va être un plat complet, frais, avec toutes les saveurs de notre Provence. Le melon peut se déguster de façon complètement inattendue et très, très, très savoureuse. The stew with verbena and juniper berries should simmer for a good half hour. Thank you.
Every morning, Laetitia's father, Georges, picks up the fresh eggs from the hen house. The golf ball encourages the chickens to lay their eggs. Pour moi, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Déjà, le jaune, il est plus foncé, il est plus beau, il est plus joli. Point de vue nutrition, c'est les œufs, je crois qu'ils ont la même valeur, mais seulement, ils sont nourris aux autres aliments, c'est tout. Et moi, les miens, c'est naturel. Il y en a beaucoup qui mettent tout aliment pour les faire pondre, pour les pousser à pondre. Moi, ça n'existe pas, ça. Chez moi, c'est naturel. Naturel. Des insectes, la verdure et du grain. Workers help the family with the selecting. Only 1 in 10 melons will go on to bear the prized Cavaillon melons label. The quality attributes are size, impeccable color, and the right kind of crack on the stem. David and his brother have been running their parents' farm since 2013. Their father, Francois, steps in when things get especially busy. Their mother, Thérèse, is also still active in the family business. She helps with the accounting and with quality control. Presque pas de travail, c'est presque un plaisir, quoi. Surtout avoir les deux enfants qui prennent la suite et qui sont avec nous, là. On y est en permanence, même que des fois on soit un peu fatigué. Bon, on vient toujours donner le petit coup de main quand il faut, quoi. C'est nos parents qui nous ont transmis la passion du melon, qui elle-même avait été transmise par nos grands-parents, quoi. Et qu'on l'espère, on transmettra peut-être un jour à nos enfants et pourquoi pas petits-enfants, quoi. Donc c'est vraiment une histoire de famille et on a encore toujours plaisir à travailler tous ensemble, quoi. Melons were first grown in Cavaillon in the 15th century. For a long time, they were little known outside the region. But with the construction of a railway line to Paris, the melons quickly grew in popularity throughout France. Today, the railways are no more, and transportation is by road. Dinner, Laetitia is sautéing shallots and garlic in olive oil with a pinch of salt for seasoning. Next, fillets of salmon and tuna with scallops and mussels, as well as crab legs and king prawns. Alors, il faut quelque chose d'assez relevé parce que le melon, c'est un fruit qui est assez doux à la cuisson. Donc, mettez des choses qui ont du goût, qui sont pimentées pour ceux qui aiment, poivrées, assaisonnées, mais relevées vraiment avec de l'ail et des échalotes, que ça soit goûtu à la mise en bouche quand on dégustera. Laetitia leaves the fish and seafood to simmer in the stew for half an hour. Today, her father Georges is in charge of the appetizers. Voilà, tiens. Là pour le persil. Merci. Before he retired, Georges tended a 1,000-strong herd of sheep. J'ai appris à cuisiner en faisant le berger. Et puis, dans la famille, on a toujours cuisiné. Maman le cuisinait bien. Oui. Hein? Et voilà, donc j'ai pris c'est pas que j'ai pris le relais, mais ça, je m'intéresse un peu à la cuisine en étant à la retraite et tout.
Ton mode de consommation a énormément changé aussi. On a tellement mangé de la viande. Des brebis, des moutons, des canards, donc du coup la viande. Voilà, maintenant on s'est lancé un peu dans les légumes. Bon, puis c'est plaisant, c'est bon les légumes. Mais on mange de la viande quand même, et on mange du poisson. On mange un peu tout. Tomatoes serve as the base for his fried eggs à la Provençale. J'ai beaucoup vécu en Afrique avec mes parents, et tout ce qui est cumin, tout ce qui est harissa, tout ce qui est paprika, curry, tout ça, ben, j'adore. Donc j'ai rajouté ça en plus dans la recette des œufs à la Provençale. David's parents and Georges' wife Christiane are joining them for dinner. Occupez-vous de moi. Qu'est-ce que tu nous as fait de bon, Georges? Des œufs à la Provençale. Mais la méthode un peu africaine. Laetitia and David both are from the small town of Piolenc, but for a long time were unaware of each other. In the end, both sets of parents served as matchmakers. Puis un jour, je vais à l'entrepôt chercher des légumes et des melons. J'ai dit à Thérèse, mais David, il est tout seul et Laetitia, pareil. Ils ne pourraient pas se rencontrer. Moi, je disais, c'est impossible. Je veux dire, une à Piolenc, lui à Paris, la chose ne se pourra pas. Puis une fois, c'est parti comme ça. Et puis un jour, David faisait semblant de faire du sport, là, sur ce chemin. Et il a sonné. Ah ouais? Et il a sonné à la ferme. Oui. C'est pas vrai. C'est vrai que ce qui est incroyable avec cette histoire, c'est qu'on est tous les deux les enfants du pays sur lequel on a été amenés à partir à droite, à gauche pour des aventures personnelles et professionnelles. Et on s'est re-rencontrés quelques années plus tard par le hasard de la vie. Quoi. Entre les œufs, voilà. The next morning is the weekly market in the nearby town of Sainte-Cécile-les-Vignes. Laetitia and her mother are looking for ingredients for a Provençal vegetable soup with pistou, a type of pesto that's made without pine nuts. Les navets, je les ai pris. Les haricots verts pour la soupe de pistou. Les haricots verts, je les ai pas pris, hein. Il en faut combien à peu près? Oh. Oui, c'est bon. Oui, ça ira. Elles sont fermes, comme oui, ça ira. Elles pourront être cuites. Donc, poireaux, navets. Alors, fais voir. 10 carottes, des poireaux, des navets, des courgettes, on les a pris. Haricots fins. Voilà. Il me manque les haricots coco. Allez, très bien. Et le gruyère. Et le gruyère. Très bien. Merci, monsieur, merci de votre accueil. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. C'est vrai que ça, on va pouvoir commencer à en faire. Hein. Oui. C'est lourd, non? Non, 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 ça va. Before the pisto soup, a melon tartare appetizer.
For this, Laetitia picks some fresh basil. Le tartare se mange très bien en entrée, donc je me suis dit pourquoi pas, pour changer un petit peu, de le varier avec des produits fermes. J'ai rajouté de la courgette, du concombre, pour donner toujours ce goût croquant, et le côté un peu doux et voluptueux, je voulais mettre de l'avocat, donc ça donne quelque chose d'un peu plus gourmand. The avocados and melons should still be firm so that the pieces keep their shape. Si vous êtes à deux petites tranches de melon suffit. Là, j'en mets un entier pour nous tous, mais voilà, il faut pas non plus trop en abuser, parce que sinon, voilà, ça peut exploser en bouche et du coup, on sent plus du tout les autres aliments. The fruits and vegetables are left to sit for a while before any further preparation. Provençal vegetable soup contains potatoes, turnips, carrots, courgettes, leeks, beans, and tomatoes, which are cut into small pieces. Georges is doing the cutting, Christiane the cooking. Il aime bien que ça soit très fin, très régulier, que moi je faisais ça un peu grosso modo. Comme pour ses poules. Oh là là, mon Dieu. Ça me fait passer un bon moment. Ça, lui, il en a de la patience pour ça. Oh. J'en ai toujours eu de la patience avec ma femme. Et voilà, coupez ça, hein. C'est vrai, j'ai une bonne petite cuisinière et puis c'est bien. Elle a toujours cuisiné, comme elle a eu des... il y avait des bergers, des ouvriers à l'époque. Donc elle cuisine très très bien. J'ai une femme, ça c'est un bijou et c'est un... C'est... Merci. 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 C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, voilà. Je l'adore. Elle s'est bien occupée de moi. To ensure that the blossoms are fertilized, David keeps 80 beehives on his fields. Beekeeper Laurent Henry looks after the insects. C'est Laurent. Salut, très bien. Ça va? Ah, impeccable. Comme toujours, on est au rucher. Alors, qu'est-ce qu'elles donnent, ces abeilles? Bah, cette année, c'est pas mal. On a eu une très mauvaise année au départ. Et puis là, tout compte fait, on s'en sort pas trop mal. Je sais pas si c'est les melons, mais toujours, ouais. Elles sont en forme. Allez, on va ouvrir. On va voir ce qu'elles nous disent aujourd'hui. Il y en a quelques-unes qui sont restées... Laurent makes sure to place the hives right next to the plants that are currently in bloom. Tu vois, regarde. Yeah. C'est tout plein. On va regarder même sur les bords. Ouais, c'est tout plein. En 10 jours, hein. Ouais. C'est impressionnant. Et si t'as l'abeille qui arrive au bon moment pour féconder la fleur, eh ben, tu vas gagner en arôme, tu vas gagner en calibre, tu seras plus homogène. On gagne tout en qualité. Ouais. Je veux dire. Et puis là, voilà, là, on est vraiment à côté des melons. On voit que les abeilles, elles se portent bien. Donc la complémentarité de deux fait que, ouais, fait que ça se passe bien. Ouais, te faire plaisir, tiens. Profite-en, déguste. Même quand t'aimes pas le miel, t'es obligé de l'aimer comme ça. C'est incroyable. C'est... Mm-mm. Vas-y. Bon. C'est bon. Donc l'intérêt d'avoir aussi, de pouvoir travailler avec les agriculteurs,
c'est que bah, ils vont permettre tout au long du cycle et de la saison d'apporter des cultures différentes, voilà, comme je disais, les poires au printemps et puis les melons maintenant, qui permettent aux abeilles d'avoir bah, de la nourriture toute l'année, toute la saison, pour qu'elles puissent travailler et puissent développer le mieux possible. Allez, on va regarder. Maintenant qu'on a vu de mon côté, ça serait bien de voir le tien, un peu. Là, c'est typiquement une fleur femelle. On ouais. Le voit parce qu'elle est ouverte. Elle est un peu plus grande par rapport à une fleur mâle qui est généralement de plus petite taille. Tiens, ouais. Donc on voit typiquement une fleur femelle qui a été pollinisée par nos chères abeilles. Et c'est le début de l'aventure. Before cooking the vegetables for the pisto soup, Christiane adds peppercorns and salt to the pot. Là, dans cette cocotte, il y en a assez. The soup is left to simmer in a pressure cooker on a low flame. It will only need around 30 minutes. Il y a certaines personnes qui y mettent de la viande ou un jarret de cochon ou de saucisse. Mais non, moi je la fais naturellement, qu'avec des légumes. Voilà, c'est comme ma mère le faisait, parce que je trouve que c'est moins gras, ça passe mieux. Finally, time to make the most important ingredient for the soup, the pisto. The Provençal version of pesto comprises basil, garlic, Gruyère cheese and olive oil. For the tartare, Laetitia cuts lemongrass and adds the juice of one lemon. For seasoning, she uses pimenta d'Espelette, a mild chili powder from the French Basque country, as well as a little salt. The olive oil helps the pieces of melon, cucumber and zucchini to stick together so that the tartare keeps its shape. J'aime décorer mes assiettes, j'aime décorer ma maison. Et puis je trouve que c'est un élan d'amour pour les autres aussi, parce que du coup, c'est un partage et on a envie de faire plaisir. Donc quand les gens viennent à la maison, j'aime bien qu'ils disent « voilà, oh, t'as de belles idées ». Et pareil pour ma cuisine, j'aime qu'ils apprécient ce que je cuisine, autant par goût que par la vue. Parents, in-laws, brothers and grandchildren are all here for a midday lunch in the garden. La veste en laine, 30 secondes. Je la retire, je la remets. Qu'est-ce qu'il faut pas avoir dans la cuisine? Vas-y, je ne vais pas penser. Vraiment, c'est des... Bon, allez, bon appétit. C'est très, très bon. Ma fille cuisine bien. Excellent. J'ai adoré. Oh, extra. C'est ma fille qui l'a fait, je m'en régale. Mais je ne sais pas le cuisiner. Il faut qu'elle m'apprenne, ma fille. Voilà la soubonne soupe au pisto. C'est bon. Un peu de jus. Pour relever le goût, tu mets de la sauce, on appelle le pisto, à l'ail et au basilic. Moi, j'adore même. Vous aimez bien l'ail, un petit peu de l'eau. Ah ben, ça, il faut pas le mettre. Si j'ai un comme ça en conserve, je. The pisto is added to the soup just before it's served, so that it's as fresh as possible, just like love itself. Thérèse, elle a dit, maman, ma belle-fille, elle s'arrête. Je suis très bien cuisinée, là, j'ai dit.